Bonjour, dans ce cours de didactique, on va parler des troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage, ce sont des troubles qui affectent l'apprentissage chez l'élève. Ils peuvent affecter soit la parole, soit les mouvements, soit l'audition, etc. Donc, on va commencer par le premier trouble, c'est la dyslexie. C'est quoi la dyslexie? C'est un trouble de la lecture. Ça veut dire que l'élève ne parvient pas à lire un texte ou une phrase. Donc, il a un problème de lecture. Deuxième trouble, c'est la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble de l'écriture. Soit l'élève écrit lentement, soit il écrit d'une manière qui est incompréhensible. Troisième trouble, c'est la dyscalculie. Donc, dyscalculie, c'est facile. Donc, trouble qui affecte le côté du calcul, donc, et l'appréhension des chiffres. Également, nous avons la dysphasie, ou l'aphasie, c'est la même chose. Trouble de la parole, qui affecte donc la communication, la compréhension du langage. Également, nous avons la dysorthographie, trouble qui touche l'écriture, la mal maîtrise des règles de l'orthographe. Nous avons également la dyspraxie, c'est un trouble du mouvement, difficulté à effectuer des mouvements. Nous avons également l'autisme, c'est un repliement sur soi-même.